c'est une sorte de livre de philosophie, c'est les dialogues entre Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Germaine Tillion, deux femmes extraordinaires. Allez-y, parce que je trouve qu'il y a tellement de... Là, ils vont nous faire, je sais plus quoi, les faux chanteurs sur un bateau. Il y avait déjà les ch'tis, je sais pas où, les Marseillais, on voit ces crétins, enfin... Je vais être gentil, en référence à toute une génération. Et là, bah, si vous avez des enfants, réapprenez-leur qui étaient ces femmes qui ont quand même vécu des choses abominables, qui ont un courage. Et puis c'est des femmes, hein, c'est-à-dire que c'est quand même par rapport aux hommes qui ont été résistants. Les hommes qui étaient résistants, ils votaient, ils avaient le pouvoir, ils avaient tout. Elles ne votaient pas, elles n'avaient pas le pouvoir, elles n'avaient rien. Et elles se sont battues comme les hommes. Et souvent, elles ont fait les boulots, les sales boulots que les mecs ne voulaient pas faire. Donc allez-y, ces deux livres extraordinaires. Pour moi, c'est parmi les plus beaux témoignages de l'année.